illustratrice jeunesse. Donc j'illustre des textes d'auteurs pour la jeunesse, pour les enfants en général, plutôt les petits, je fais jusqu'à 10 ans, 10-12 ans. Donc on me propose des textes de différents auteurs et en général j'accepte quand il me plaise de les illustrer. Voilà. Et tu peux nous parler un peu de ta technique ? Alors, pour Petit Nuage, je travaille à l'acrylique. Et ça m'arrive aussi de travailler à la gouache. Plus souvent, c'est à la gouache, mais là, j'ai choisi d'utiliser l'acrylique. Et tu travailles aussi avec des ordinateurs ou tout est fait à la main ? Alors, tout est fait à la main. D'accord. Et c'est pas trop long ? Non, ça va. Non. Combien de temps tu mets à peu près en moyenne pour illustrer un album d'une trentaine de pages ? On va compter à peu près 2 mois. Oui, à peu près ça. Voilà. Le projet sur lequel tu travailles actuellement, ça, c'est l'histoire de Petit Nuage. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a inspiré ? Alors, moi j'ai beaucoup aimé déjà l'idée du voyage, parce qu'on va parler de l'Afrique et de la Bretagne. Le fait aussi que les personnages principaux soient des nuages, ça j'aime beaucoup. Ça laisse une grande liberté pour imaginer leurs expressions, etc. Tu les as humanisés un peu. Voilà, je les ai humanisés. Et puis, on va rencontrer aussi dans cette histoire pas mal d'animaux. Donc, c'est toujours agréable aussi, parce que j'aime bien dessiner les animaux. Voilà. Et donner des ambiances aussi africaines et bretonnes. Et travailler aussi à partir de chansons. Ce qui change les textes habituels, voilà. Bon, on a hâte de voir ça, alors.